Yes, Bonjour. Mr. Jihad, how are you? Bonjour, comment vous allez? Monsieur Jihad, comment vous allez? Yes, I'm calling to refute some things you're saying. Je t'appelle pour corriger beaucoup de choses que tu as dites. Go ahead. Vas-y. So, what you have to understand about a lot of those verses in the hadith. Ah, tu ne comprends pas la plupart de ces hadiths que tu es en train de lire, hein? Or those hadiths that you were discussing about, Les hadiths que tu rediscutes Muhammad and the flying horse. concernant Muhammad avec le cheval avec lequel il avait volé pour partir au ciel. This is metaphorical. Ça, c'est métaphorique, c'est la métaphore. And Ah, your... non, non, hold on, hold on. What do you say? It's metaphorical. Oh, attends, attends, attends. Si tu dis métaphorique, tu vois, qui a dit ça? Do you have a proof? Tu as une preuve? My friend, listen. If I'm gonna have a debate, Mon ami, écoute, si je dois débattre avec toi, stick to the Quran. Don't tu dois utiliser le Coran seulement, pas les hadiths. come to the hadith. Je ne veux pas que tu utilises les hadiths. Stick to the Quran. Tu dois utiliser seulement le Coran. Because OK. this is the word of Allah. Puisque le Coran, c'est la parole d'Allah. OK. The hadith is something which is debatable. Les hadiths sont débattables. No problem. But Pas de same problème. to you. Do you have a proof? Tu as une preuve lorsque tu as dit que c'était les hadiths sont métaphoriques. Lorsque Muhammad est parti au ciel, c'était sur un cheval. I did not say to Do I you. have a I did not say to you where you stick. Stick as you want. You can be any glue. You stick yourself anywhere you want. Je n'ai pas dit que tu dois t'arrêter quelque part. Tu peux te coller comme tu peux prendre de la colle, te coller où tu veux. Tu peux utiliser n'importe quel livre. I'm asking you, do you have a proof that this is metaphorical? Ce que je te demande, est-ce que tu as une preuve que ce que tu as dit, le hadith là, c'est métaphorique? If there is any single scholar agree that this is metaphorical, not even one. Y a-t-il même un savant, un seul, qui dit que ça, c'est métaphorique? So you are coming with a new Islamic sect which we never heard of. C'est toi qui amènes donc une secte islamique dont on n'a jamais entendu parler, une nouvelle secte. Claiming something nobody believes in. Are you a Muslim for sure or are you a Hindu? Et tu dis que c'est métaphorique. Est-ce que tu es vraiment un musulman ou quoi? Can we just stick to the Quran? You can stick Est-ce qu'on peut juste nous baser sur le Coran? as much as you want. No problem. I'm saying to you. Tu peux t'arrêter, utiliser tout ce que tu veux. C'est ce que je demande. Does any Islamic sect agree with you? Je te demande, y a-t-il une secte de musulmans qui est d'accord avec toi? Does the Sunni agree with that? Is the Shia agree with that? What? Est-ce que le sunni et le chia, ils sont d'accord avec toi? Je sais qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que j'ai dit, que c'est métaphorique. Ça, je sais. Well, let me tell you, there are some, if you watch in Arabic language, some shiukh on Memory TV, they're going. Je ne sais pas si tu vois, il y a beaucoup de gens, même des juifs, qui partent à la télévision. Memory, ils vont composer des choses. Et ils vont même utiliser, même les, dire que les hadiths des sunnis sont des hadiths qui ne sont pas corrects, qui sont fausses. As a matter of fact, you could say that some of these hadith are insulting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Et tu verras que même beaucoup de ces hadiths ne font qu'insulter le prophète Muhammad, ça ne fait que l'insulter. As a matter of fact, you could say that some of these hadith are insulting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They are insulting him. Some Sunni shaykh, I seen it with my own eyes. Wallah. Tu vois, il y a même beaucoup de hadiths de sunnis. J'ai vu ça de mes propres yeux. Ça fait que insulter le prophète. C'est pour cela que je n'aime pas les hadiths. Okay, Mr. Wallahi. So, So, but isn't it, what but I'm isn't telling it you this, is, I want to stick with the Quran. My friend, isn't it this is Sahih al-Bukhari? You could say that some of these hadith are insulting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They are insulting him. Some Sunni shaykh, I seen it with my own eyes. Wallahi. Okay, Mr. Wallahi. So, So, but isn't it, what but I'm isn't it telling this you is. is, you could say that some of these hadith are insulting the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. They are insulting him. Some Sunni shaykh, I
Il y a des gens, des hadiths qui insultent le prophète Muhammad. J'ai vu ça de mes propres yeux. Wallahi. Seen it with my own eyes, wallahi. Ok, monsieur Wallahi. So, ok, monsieur Wallahi. C'est ce que j'ai dit. Je vais juste me baser sur le Coran seulement. Mais ça, c'est Sahih Bukhari. Vous, les musulmans sunnites, vous utilisez Sahih Bukhari. Et maintenant, tu veux dire, rejeter que ce n'est pas faux. Ce n'est pas des vrais hadiths. I'm saying there's a, there perhaps some of them are it's not entirely reliable. Some... Ah, je veux dire que tous les hadiths en entièreté ne sont pas pleins de confiance. Il y a d'autres qui ne sont pas vrais. Okay. So what is the problem? That's what I'm telling you to go to the Quran. C'est pour cela que je te dis d'aller seulement dans le Coran pour débattre. Will destroy anything you want to say about the Quran. Et je vais te détruire dans n'importe quoi que tu vas dire sur le Coran. Donc tu veux que je puisse changer le thème, puisque ici, cette histoire que je lisais était dans les hadiths. And you are saying, let us go to... okay. Et tu me dis qu'on doit aller dans le Coran. Flying horse. Okay, no problem. Ne parle pas de cheval là qui avait volé avec Muhammad au ciel. Il faut aller dans le Coran. Listen, no. As long as you choose the Quran for me, I want to ask you something about the Quran. Aussi, ok. Comme tu as demandé à propos du Coran, je vais te poser une question dans le Coran. If there is something in the Quran, you see, I'm going to give you freedom now. Y a-t-il quelque chose dans le Coran? Je te donne la liberté. To prove to me from your Quran, I'm going to forget about the whole story. Je te donne la liberté de me prouver quelque chose. Je vais laissez cette histoire-là du cheval qui avait volé au ciel avec Mahomet, Muhammad. You are a person who is Quran only. Are you a Quran only? Toi, tu es une personne qui utilise le Coran. Tu es celui qui utilise le Coran seulement? For the most part. No. En grande partie. You cannot say for the most part. Either Quran only or not Quran only. Non, non, ne me dis pas en grande partie. Tu me dis si tu utilises seulement le Coran ou bien tu utilises aussi les hadiths. Hadith, if it's acceptable, yani if it's narrated by, you know. Si un hadith est acceptable, si ça a été rapporté par quelqu'un. Rashidun, fine. Par les Rashidun, les compagnons de Muhammad, là c'est bon. But some other people, Sahabi, which you know we cannot say if they are reliable or not. Mais pas m'amener les sahabi, les compagnons qui ne sont pas vraiment dignes de confiance. Là, je n'accepte pas. Je dois prendre ça avec beaucoup de prudence. Mais je t'ai donné un hadith. Et là, on a écrit que c'est un hadith qui est sahih. Ça, c'est sahih Bukhari. This whole hadith situation it's being reevaluated. Toute cette histoire des hadiths est en train d'être réévaluée. There I've seen it. There's you who are saying it. My friend. There I've seen it. There's you who are saying it. My friend. The shuyukh you are. It's being reevaluated. By who? Cette histoire des hadiths est réévaluée. Par qui? Qui est en train de réévaluer les hadiths? Qui a dit ça? There, I've seen it. There's you who are saying. J'ai vu ça. My friend, the shiuch you are saying. I heard a sheikh yesterday. Le shiuch dont tu parles là, j'ai entendu un sheikh hier qui parlait. A few days ago, il y a quelques jours, il disait. His name Sheikh Hizmizo, and he's from another university. I don't know if... Un chef de Sheikh Mouz de l'université de Al-Azhar en Égypte. Je ne sais pas si tu le connais. Il disait que le livre de Bukhari c'est un livre mashara. Correct, did you hear it? Tu as entendu? Al-Bukhari mashara. Yeah, he said that. You can search it right now on Google. I can't. Tu peux chercher ça dans l'internet. Maintenant, tu peux chercher. Show your screen.
Je peux te montrer ça. But he said no, he said all al-Bukhari is maskhara. Il a dit que tout le livre de Bukhari maskhara. Cela veut dire un livre acceptable. Tout ce que Bukhari a dit, c'est vrai. I'm saying that there's a lot you know what maskhara means, right? I'm trying to tell you. Tu connais la signification de maskhara? There are a lot of things in Sahih al-Bukhari which could be inaccurate in. Je pense qu'il y a des livres, de beaucoup de choses dans le livre de Sahih Bukhari qui ne sont pas correctes, je pense. My view. Ah, okay. D'après mon point de vue. Okay. How we knew that the Quran is not the same? I mean, the Quran is a book collected long after that. Comment est-ce que tu sais que le Coran n'est pas dans la même situation? Ici, il y a des choses fausses, puisque ça a été aussi collecté plusieurs années après. And here we go. I'm going to give you a chance, my friend. Et bon, je te donne d'ailleurs une chance maintenant. I will change the whole topic. Je vais changer le thème pour toi. Choose for me something in the Quran, prove it to be true. Choisis-moi n'importe quoi dans le Coran que tu penses être vrai. Tu prends n'importe quel sujet du Coran qui est vrai. I wanted to start with. J'aimerais commencer avec. You know, there's a lot of mathematical, you know, if you look at Shabir Ali, what he... Il y a beaucoup de miracles mathématiques dans le Coran. Si tu regardes le docteur Shabir Ali, he said, there's a lot of mathematical patterns in the Quran. Il a dit qu'il y a beaucoup de miracles mathématiques dans le Coran. Tout ça, c'est du mensonge, je te dis. My friend, all of them are lies, and you speak Arabic, right? Mon frère, je te dis que tout ça sont c'est du mensonge, mon ami. Tu parles arabe, n'est-ce pas? I speak, you know, Amiya of 80%. No problem, but you can read it. Je parle un peu à 80%. Donc tu peux lire l'arabe. I can calculate the numbers for you of the letters, and you speak Arabic, and you will see how I. Je vais calculer les lettres de l'arabe, et comme tu parles arabe, tu vas calculer avec moi et tu vas voir. Can get them busted in a few seconds. Et tu vas le dévoiler, de voir que ce sont des menteurs tous ces gens-là. Basis in Arabic, and I can see it. Yes, I have. Oui, j'ai des connaissances en arabe là, et ça va m'aider à calculer aussi. Strong basis in Arabic, but English, I'm stronger in it. J'ai une base solide en arabe, mais pas si solide que ce que j'ai en anglais. No problem, but you can count letters, right? Oui, pas de problème. Tu peux tout de même compter les lettres, n'est-ce pas? So, those liars, they say number 19. Tous ces gens-là, ces menteurs, ils t'ont dit qu'il y a le miracle du chiffre 19. Le chiffre 19 dans le Coran, le miracle, on t'a dit ça. It's the miracle. If we count the chapter 3, we go Ar-Rahman. Donc, on va compter. Je vais te montrer que c'est le mensonge. Voici, on commence. Rahman. Bismillah ar-Rahman. Is it 19 letters? No. La première phrase, Bismillah ar-Rahman. Est-ce que c'est 19? C'est faux. Ce n'est pas 19. On va compter ensemble. Because if you speak Arabic, you see that the first word is Bism. Si tu parles arabe, tu verras que la première lettre, c'est Bism. Bism. Are you sharing your screen? Est-ce que tu montres ça dans l'écran? Sharing the screen, yeah. Oui, c'est à l'écran. Where? In the Skype or the YouTube? C'est sur Skype ou bien sur YouTube? YouTube. In the YouTube. Dans YouTube. But just to be sure, you mute YouTube, please. So... Tu dois aller aussi sur YouTube et tu dois muter, tu dois fermer le son pour qu'il n'y ait pas deux sons. We don't have double sound. Pour qu'il n'y ait pas deux sons. Okay, I'll mute the YouTube. So, are you putting it now? Yeah. Okay, je vais aller sur YouTube et je vais fermer le volume. Je vais utiliser le volume de Skype seulement. Tu vas mettre ça? It's on the screen. C'est dans l'écran déjà. It's on the screen. C'est sur l'écran. Okay. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yeah. What is Rabbil Alamin? Okay. What is the first word here? Is Bism, right? Quel est le premier mot ici? C'est Bism, n'est-ce pas? Yes. This is a change of letters. Oui, ça c'est un mot qu'on a changé, Bism. On a changé ces lettres ici, tu vois. After they wrote and they draw the Quran, this is a drawing. Et ça, c'était la manière dont ils avaient fait la calligraphie, ça. Ils ont changé le dessin.
word, the true word writing is bi-ism. Do you? Le vrai mot, on ne dit pas bismi, on dit bi-ism. Tu es d'accord? Agree. Bi-ism, yes. Correct. In the name of Allah. Thank you very much. So guys, so the first. Bi-ism, yes. Correct. In the name of Allah. Thank you, going. The word, the true word writing is. La manière dont on dit c'est bi-ism. Bism, on a changé de, on a mis ça bism à cause de la calligraphie. Tu es d'accord? It's bism. Do you agree? Est-ce que tu es d'accord? Bism, yes. Correct. In the name of Allah. Thank you. Oui, je suis d'accord. Bism, ça veut dire dans le nom de. Very much. So guys, so the first one is bism. Here we go. So we have to add. Mes frères, vous voyez, le premier mot c'est bism. Il a accepté, n'est-ce pas? Letter now. Here we go. Bism. Donc, ils ont changé de mot, voyez-vous, ils ont maintenant ajouté. Vous voyez le mot là, qu'il a souligné en rouge, ça c'était un ajout. So 19 became 20. Donc, le chiffre 19 devient 20. Look at the Rahman, Allah. Regarde le Rahman, comment est-ce qu'ils ont écrit Rahman? Allah, Allah have shadda, that's... Sur le mot de Allah, ils ont ajouté les shadda, d'autres ponctuations, des shadda, des lettres. There's two L, two letters. Donc, il y a deux L dans le mot de Allah. Deux L. That's make them two letters. We add one more. Et ça, ça fait deux lettres. Ils ont ajouté une autre. Si, dans une ponctuation. One letter here. Il a souligné ça en rouge. C'est là. C'est 21. Ça fait déjà 21. And now we have in the top of the letter Ra, another Shadda. Et sur le mot Rahman, sur le Ra, on a ajouté un autre Shadda, une autre ponctuation. That's another Ra, this is another letter. C'est une autre lettre. And now we have in the top of the Ra here, another Shadda. That's... Et sur le mot Rahim, on a ajouté un autre Shadda. Il va souligner ça. That's another Ra. So number 19 became what? Dans le chiffre, le miracle du chiffre 19, ça devient combien maintenant? Became 20, 21, 22, 23. Et ton chiffre de miracle 19, ton miracle de chiffre 19 a disparu. Smash in 2 seconds. En 2 secondes, on a dévoilé ça, que c'est du mensonge. No, those are not letters. Non, non, ça, ce ne sont pas des lettres, ce sont des ponctuations. There are letters. Ce sont des lettres. Ar-Rahman, c'est R, il y a deux R là, mais on a condensé, n'est-ce pas? Ar-Rahman, my friends, they are letters, no. Ce sont des lettres. Listen, you can go to the guy, his name, the guy. Tu peux même aller vérifier ça. We make a baton in the Quran. You know, my friend, I don't want you to confuse the people. Je ne veux pas que tu puisses confondre, mettre les gens dans la confusion. My friend, you speak Arabic. You are the one who agree with me. Mon frère, tu parles arabe et c'est toi-même qui étais d'accord avec moi. You are the one who agree with me. Everybody heard you saying that. Tout le monde a entendu parler lorsque tu as dit. The word bism is bism. Lorsque tu as dit que le mot bism. Bismil, tu es bi-ism, c'est toi qui as accepté ça. You said bi-ism and you agree, you agree, you said yes, bi-ism. Et tu as accepté que c'est bi-ism. Not bi-ism, so bi-ism. So, donc tu as dit que bism, c'est bi-ism, mais ils ont changé ça. There's a letter aleph, so. Et il y a même le mot, la lettre aleph qu'ils ont ajouté. Bismillah. No, there's nothing. Bismillah. It's called bism. Il n'y a rien qu'on dit bismillah en arabe. Okay, are you saying if you write the word bism is wrong or... Tu veux me dire que si tu écris le mot bism c'est différent, il y a une erreur? Or bism is correct. Ou bien bismi c'est correct? Those are nukat. Là ce sont des nukat en arabe. They're not letters. Ce ne sont pas des lettres en arabe. No, they are letters. They are alif, alif, b. Ce sont des lettres. The Aleph. Bism, bism, bism. Bism. Who said their letters, my friend? Who? Qui a dit que ce sont des lettres? Said their letters. Okay. Qui a dit ça? This is the first time I heard that. Okay. C'est la première fois que j'entends ça. This is like, you know. Okay. I want you. J'aimerais que. I want you to look with me in the screen. J'aimerais que tu puisses regarder avec moi dans l'écran. If I write the word like this.
si j'écris le mot comme ça, I'm using my mouse, okay. Je vais utiliser la souris de l'ordinateur pour écrire ce mot. Okay. If I write it like this, si j'écris comme ça, is it wrong? Y a-t-il une erreur? I didn't see. Je ne vois pas ça. It's in the screen. C'est dans l'écran. Oh, okay, yeah, in the red letters. Oui, okay. Je vois. Is it wrong? Which one is correct? Je vois en rouge. Like the one is in the Quran, it says, or the one I wrote. Y a-t-il une erreur entre le bi'isme que j'ai écrit et ce qui est écrit dans le Coran et ce que moi j'ai écrit? Y a-t-il une erreur? Où se trouve l'erreur? Donc si tu écris l'arabe, tu ne dois pas utiliser ça. My friend, can we be straight and answer, please? Tu peux me donner une réponse directe? Which one is correct? Quel est le vrai... la vraie manière d'écrire bi'isme. This one in the Quran. Celui-là dans le Coran que je souligne en bleu, ou bien? Or the one I wrote. Ou bien ce que j'ai écrit en rouge. You put ba alef. Uh-huh. Ah, là tu as mis un alef. Tu as mis un alef. Uh-huh. So that's not correct. Donc je pense que ce que tu as écrit en rouge n'est pas correct. Not correct, guys. Be my witness. It's not correct. Soyez tous témoins. Il a dit que le bi'isme que j'ai écrit n'est pas correct puisqu'il y a un alef. Be my witness is not correct. Okay. Soyez mes témoins, il a rejeté ça. No problem. Mais oui, puisque ce que tu as écrit, il y a un alef. Okay, not correct. I agree. No, okay. Okay, j'accepte. Tu as dit que ce n'est pas correct. On va voir. Guys, he's not correct. He insists. Il insiste que ce n'est pas correct. On va voir. So if I show it to you now in the Quran, written the same, if I show it to you in the Quran right now, written as I wrote it for you. Si je te le montre, le même bi'isme, écrit dans le Coran tel que je l'ai écrit avec un aleph, tu vas accepter ça? What you would do? Qu'est-ce que tu vas faire? Again, say again. Répète ce que tu as dit. Say again, you see now he's getting nervous. Hein? Il commence à dire, il devient maintenant nerveux, hystérique. Il me dit de répéter. If I show it to you in the Quran, the same as I wrote it for you, what you would do? Si je te montre dans le Coran, de la même manière que j'écris ça, le mot bi'isme avec un alef, qu'est-ce que tu vas dire? You're going to show me the way you wrote it in the Quran. Tu vas me dire, tu vas me montrer un tel mot dans le Coran, ça existe, bi'isme, comme toi tu as écrit. Tu veux montrer ça? As the way you have this in the Quran? Yeah. Comme ce que tu as écrit là, est-ce que ça se trouve dans le Coran? And you said it's wrong. Everybody heard you. Et toi, tu as dit que c'est mon, je n'ai pas bien écrit. Tout le monde t'a entendu. I challenge you to show me. Je te défie de me montrer ça dans le Coran. Okay. If I show you what you would do. Si je te montre ça, qu'est-ce que tu vas faire? You leave Islam? Tu vas quitter l'islam? My friend. Okay. Go ahead and show me, but. Mon ami, montre-moi ça. Je ne sais pas. You go to the points which are of no significance. Donc, toi, tu vas dans des histoires qui ne sont pas vraiment significatives. OK. What do you mean no significant? Comment est-ce que tu dis que ça n'a pas de valeur, ce que j'ai dit? No. Ce sont des petits points qui ne valent rien. No, they are. No. Non, non, ça vaut beaucoup. No, they are. Non, non, il y a beaucoup de valeurs dans ce que je dis, hein. Je ne perds pas mon temps. Because simply, here we go. Hold on, it's in attends. Front of you. You see it? Attends, c'est devant toi. This is exactly how I wrote it. C'est exactement de la même manière que j'avais écrit ça. Le mot bi'isme, kanalef, la même manière que j'avais écrit ça. And appear in the Quran at least 4 times. Et ce mot se trouve dans le Coran au moins 4 fois, dans le verset qu'on a écrit à l'écran. Exactly as I wrote it. Exactement comme j'ai écrit le mot bi'isme. C'est comme ça qu'on a écrit dans le Coran, dans d'autres versets, qui est différent de ce qu'on a écrit dans la numéro 1, sourate Al-Fatiha, verset 1. But it's a different word, maybe. What the... Ah, ça, c'est peut-être un autre mot, un mot différent.
Qui t'a dit que c'est un mot différent? C'est écrit là, bismi. C'est le même mot. Qui t'a dit que c'est un autre mot? And appear in the Quran at least four times. Au moins quatre fois. Exactly as I wrote it. Comme je l'ai écrit. But it's a different word, maybe. What different word? Sabbih bismi rabbika al-azim. Qui t'a dit que c'est un autre mot? C'est le même mot, bismi. You speak Arabic. It, my friend. Tu parles arabe, n'est-ce pas? Let me go on the computer and see this. Ah, laisse-moi un peu, je vais chercher ça sur l'ordinateur. Remember, guys, he said, remember, he said, this is wrong, this is wrong, this is... Et, souvenez-vous, il avait dit que ce que j'avais écrit en rouge à côté de l'écran là, il a dit que j'avais mal écrit le mot bismi. Et c'est comme ça qu'on a écrit ça dans le Coran, bismi, avec un aleph. La première lettre que vous voyez là, la première lettre aleph, ça se trouve aussi là, les aleph. Et il avait dit que ça, c'était une mauvaise manière d'écrire ça. Puisque ce n'est pas écrit de la même manière dans la sourate Al-Fatiha, verset 1, puisqu'ils ont changé ça. Il avait dit qu'il y avait une erreur. Et ça, ça se trouve dans le Coran? Non, this is a Mickey Mouse book. Non, non, c'est dans le livre de comédie de Mickey Mouse. Par ironie. I don't know. Ah, je ne sais pas. What do you mean? I don't have an answer for that. Je n'ai pas de réponse pour ça. The miracle, the fabrication. So you need to do some research, and I need to consult. Can consult. Discuss it with him. Uh-huh. Ah, je vais aller demander aussi à ceux qui m'enseignent. I can come back to you. Et je vais retourner à toi. Je vais d'abord aller me renseigner. Okay, no problem. Okay, c'est bon. Tu vas te renseigner. Forget about this one. First one turned to be false. Give me something else. The first one about the numbers 19, the fabrication. You can consult. Discuss it with him. Uh-huh. And I can come back to you. Je vais revenir. Okay, no problem. Okay, forget about this one. The first one turned to be false. Give me something else. The first one about the numbers 19, etc. became garbage. So give me something. Okay, pas de problème. Comme ça, on va passer à un autre sujet. Comme ce que tu m'as donné le miracle du chiffre 19, ça tournait être ridicule, c'est de la comédie, ça. Donne-moi quelque chose de bon dans le Coran que tu as appris. Be proven to be true. Forget about this one, we forgive thee. Nous te pardonnons, comme ça, on passe à un autre sujet. Donne-nous quelque chose d'autre. Something else which is proven to be true? Yeah. Donne-moi, donc, tu veux que je te donne quelque chose de bon dans le Coran? Quelque chose qui est vrai dans le Coran? To be true in the Quran, something the Quran says. Quelque chose qui est vrai dans le Coran, donne-moi ça. Prophecies which came true. Like what? Il y a beaucoup de prophéties qui sont devenues vraies dans le Coran. Okay. The Quran, it prophesies the Big Bang theory. Le Coran a prophétisé la théorie du Big Bang. Really? Where? Où? Wallahi, I will... The Big Bang Theory. Really? Where? C'est où dans le Coran, ça? Wallahi, I will have to look it up. Ah, je dois chercher ça dans le Coran. Je dois chercher. Hein? Hein? I need to... I will mute you for a minute and I will find my source and come back. Je vais arrêter l'émission pendant une minute. Comme ça, je vais chercher ça et puis je vais retourner. Okay. I will be waiting for you. Okay, je t'attends. If you don't know how to find, I can help it for you, you know. I mean, it's okay. Si tu ne sais pas comment trouver ça, je peux t'aider à chercher ça. And it's we help each other. Nous nous aidons les uns les autres. There's a verse which it's il y a un verset. It's a Big Bang, okay? And I know, qui parle de Big Bang dans le Coran. I know it from a scholar and I will find it. I can't find J'avais entendu ça de moi, le,
mon enseignant et je vais chercher ça, je vais trouver ça. Find for you in a second. Here we go. Chapter 21, verse number 30. It says, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رِتْقًا. There's a verse which it's a big bang, okay? And I know it from a scholar, and I will find it. Okay. Je vais trouver ça, le verset là. Bon, moi, je peux t'aider. Find for you in a second. Here we go. Chapter. Dans une seconde, le verset est là. Moi, j'ai trouvé ça pour toi. Chapitre 21 au verset 30. 21 verse number 30. It says, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رِتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. So do you agree with this verse? Est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Do you agree with it? Yeah. Are you sure? So this is some... Tu es sûr que tu es d'accord avec ce verset? When it comes to Islam, I come from a logical perspective. Quand il s'agit de l'islam, moi, je n'accepte que ce qui est logique. Oh, that's wonderful. Ah, donc c'est merveilleux. Toi, tu acceptes ce qui est logique. Uh-huh. Okay. From understanding. Donc, dans la compréhension, doit être logique. I like that, my friend. J'aime ça. The jihad. Listen. J'aime ça, monsieur Jihad. It says here, don't the believer see? Does it say see? Dans le verset dit, n'est-ce pas que les infidèles voient? Correct, or I'm giving false translation. Ou bien je donne une fausse translation. What the word yara mean? Alam yara, qu'est-ce que ça veut dire? What is it? Awalam yara. What the? Qu'est-ce que ça veut dire? What yara mean? Yara. You know, as I said, I'm not 100%. So as a matter of fact, that's. Comme j'avais dit, je connais pas l'arabe à 100%. Specific word, I'm not complete. Je ne connais pas la signification de tous les mots. Yara, see, don't they see? It says, don't they see? Correct. Cela, ça veut dire ils voient. Ne voient-ils pas? C'est le verbe voir. Yara, don't they see? Ne voient-ils pas? Read the translation. It says, don't they see? Okay, so. Tu peux lire la translation, la traduction. Ils ont dit, ne voient-ils pas? Don't they see that the heaven and the earth they used to be joined together? Is that the Big Bang? Ne voient-ils pas que le ciel et la terre étaient ensemble? Et c'est ce que toi tu appelles le Big Bang? Une minute, on va afficher ça. On va afficher ça en français rapidement. Juste une minute. Nous allons afficher ça en français. Et pendant ce temps, les gens qui veulent débattre avec nous, notre numéro est là. Ils peuvent nous contacter pour les débats que nous allons organiser. Ça, c'est Christian Prince qui est en train de démontrer des choses terribles dans le Coran. Il est plus qu'un savant, ce monsieur. Sourate 20, numéro 21 au verset 30. C'est là que nous étions, là où les musulmans parlent du Big Bang, la théorie du Big Bang, qui est faux. On rentre à Christian Prince. It says this. Yes, 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 yes. Okay, hold on. Yes, yes, yes. I like it. How excited you are. It says here, didn't. J'aime comme cité. They see in the time of Muhammad, this is something they see. Ah, il dit que ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu? Donc c'est au temps de Muhammad qu'ils ont vu ça. Il pose la question, n'ont-ils pas vu? Selon la sourate en arabe. Do we see anything of the Big Bang? We never saw it yet. This is theory. Est-ce que nous avons déjà vu la théorie? On n'a jamais vu ça. C'est de la théorie du Big Bang. Nobody saw the Big Bang. It says, أَوَلَمْ يَرَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Don't they see? Ça dit, n'ont-ils pas vu? Personne n'a jamais vu le Big Bang. Is that something you see? Allah spread them apart. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois à l'œil nu? No problem. But he's saying, okay, no problem. Guys, Allah spread them apart. Ah, il dit que Allah a séparé, les a séparés. Apart what? Il a séparé quoi?
spread apart the heavens and the earth, and this is the Big Bang, and then. Okay. Il a séparé les cieux et la terre, et ça c'est le Big Bang. So you are saying that the Quran says there was earth and there was heaven and we separated them, correct? Donc tu veux dire que le Coran dit que il y avait les cieux et la terre et nous les avons séparés. C'est ce que toi tu veux dire selon la théorie du Big Bang que toi tu connais? C'est ce que tu veux dire? Okay, but the Big Bang doesn't say that. Oui, mais le Big Bang n'a jamais enseigné ça. Ils n'ont jamais dit ça dans le Big Bang, la théorie du Big Bang. Because you just said, admitted that there is heaven, there is earth, we just separated them. Puisque tu as admis qu'il y a les cieux et la terre, et nous les avons juste séparés. The Big Bang doesn't say that. It says there was nothing. La théorie du Big Bang n'enseigne pas ça. La théorie du Big Bang dit que nous les avons séparés. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien. There's no earth to say that. You are the one who said that. You are the one. Qui a dit ça? Mais c'est toi qui a dit ça. The one who said there was earth, there was heaven, and we just separated them. Tu as dit qu'il y avait les cieux et la terre et nous les avons séparés. So this is not the beginning of the creation. This is. Ça, ce n'est pas le début, la commencement de la création. And this is an inference. What inference? Ça, c'est une inférence. Quelle inférence? My friend, it says, "Oh, what a mirror! Don't they see?" And ça veut dire. Ne voyaient-ils pas? Then they separate the heaven and the earth. So, et ils ont séparé, donc on a séparé les cieux et la terre. So, what happened? What the Quran saying? The earth and the heaven, they used to be. Which comes much later in time. Hey, okay, hold on. Et ça, c'est venu un peu plus tard. Hold on, okay. What the Quran says, but okay. You can infer based off this. Okay. Il dit que on a inféré ça, il y a inférence. That's what it's referring to. Yeah. Is it the problem with you? Jihad, attends. Mr. Christian, is you take everything so literal. Le problème avec toi, Christian Prince, c'est que tu prends toutes choses littéralement. Literally. Like 100 times literally. Tu prends à 100% là, littéralement. Right, because here you have the microscope of Christian Prince. We have. Puisqu'ici, tu as un Christian Prince qui est microscopique, qui prend tout littéralement. Hein, c'est ce que toi, tu veux dire, que moi, j'examine beaucoup. C'est ce que tu veux dire. That's what it's referring to. Yeah. Why is it a problem with you, Mr. Le problème avec toi, Christian Prince, Christian, is you take everything so literally. Tu prends tout littéralement. 100 times literally. Right, because here you have the microscope of Christian Prince. We make the image so big, so nobody can lie to us. Ici, nous sommes comme un microscope. Nous rendons toutes choses grandes, même les petites choses, pour que personne ne puisse venir nous mentir. And look what happened to you. You just admitted I am the one who is making it so clear. And you. Et regarde ce que tu dis. Tu as admis que c'est moi qui fais toutes choses. Je les rends très claires. You are the one trying to go. No, don't go by details. Et c'est toi qui dis non, il faut pas aller dans les détails. Let go. Let me ask you. You mentioned. C'est ce que tu as dit. Tu as mentionné. And something about which one comes first. According to the Quran, which one comes first? The sky, the stars, or the earth? Which one's created first? Tu as mentionné que c'est qu'il y a quelque chose qui vient avant et après. Et d'après le Coran, je te pose une question. Qu'est-ce qui est venu avant? Est-ce la terre? Ou les cieux? Ou qu'est-ce qui a été créé avant? The heaven. Les cieux. The heaven, guys, did he say the heaven? Les cieux. Avez-vous entendu? Il a dit les cieux sont venus avant? Did he say the heaven? Est-ce qu'il a dit les cieux? First. Ont été créés avant? Are you sure? Es-tu sûr? Hey, my friend, listen. Oh, mon ami, écoute. Non, maintenant, tu ne sais pas qu'est-ce que Allah a créé en premier lieu. I'm there to say I'm sure. I asked you.
Et tu ne sais pas que dire que, si tu es sûr comme j'ai demandé. Which one is created first, you say? Tu ne sais pas qu'est-ce que Allah a créé le premier. The heaven, and now you are trying to swallow it because you are afraid I'm going to show you something. Et tu as dit que c'était le ciel, mais maintenant tu as peur parce que tu crois que je vais te montrer quelque chose de différent. Will torture what you said. Et qui va te torturer ce que tu as dit. So can you be, please, I'm speaking to you nicely in respect, Mr. S'il te plaît, je te parle avec respect. Monsieur Jihad. Monsieur Jihad. Can you be honest and tell us according to Islam? Peux-tu être honnête et nous dire selon l'islam? Which one law, which, I will make it simple for you. Je vais mettre ça simple pour toi. Listen carefully. I have a Bible verse. Attends, je vais mettre ça tout simplement. J'ai un verset de la Bible. I want to share with the viewers. J'aimerais échanger ce verset de la Bible avec toi. No, no problem. You can search as you know, but don't change the topic. Pas de problème, tu vas le faire, mais ne change pas de thème maintenant. Please. This is a weakness spot on you. You are changing topic because it's embarrassing. So. Et ça c'est ta faiblesse. Vous aimez changer de thème si vous trouvez vous voyez que vous n'avez pas raison. Now let us switch to talk about cars. So. Maintenant tu veux qu'on puisse changer. On va parler maintenant des voitures. I want to ask you which one Allah created first. Je te pose la question. Qu'est-ce que Allah avait créé le premier? I will choose two objects, one from the earth and one from the heaven. Je vais choisir deux objets. L'un qui appartient au ciel, l'autre qui appartient à la terre. The stars or the trees? Les étoiles ou bien les arbres? And dust. The stars. I believe it's the stars. Because, okay. Ah, les étoiles, je pense que ça doit être les étoiles. The earth is next. Et la terre a été créée le suivant, après. Ok, all right. So guys, he believes our friend here. Notre ami, donc, il croit. He believes the stars was created first. Il croit que les étoiles ont été créées en premier lieu. That's wonderful. C'est merveilleux. I didn't confirm it. Je n'ai pas confirmé ça. You did not confirm it. So, tu n'as pas confirmé ça. So what you confirm to us now? So you are saying, can you confirm, please? I mean, est-ce que tu peux confirmer d'abord? What's wrong with Muslims? Why they can't confirm anything? Mais quel est le mal avec les musulmans? Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Comment ne peuvent-ils pas confirmer quelque chose? Ils ne confirment rien. A second ago, it was obvious. Now, il y a quelques secondes, c'était clair pour toi, évidemment, que c'était les étoiles. Because you're afraid. My friend, why? Et maintenant, puisque tu as peur, have to be insulting. I am not no, insulting. Insulting I'm speaking to an adult. Why you have to be insulting? I am not no, insulting. Insulting I'm speaking to an adult. Have an intellectual discussion. So you are saying, can you confirm, please? I mean, what's wrong with Muslims? Why they can't confirm anything? Qu'est-ce qu'il va pas avec les musulmans? Pourquoi ils ne peuvent rien confirmer? A second ago, it was obvious. C'était évident pour quelques secondes. Now because you're afraid. My friend, why you have to be insulting? I am not no, insulting. Mais pourquoi est-ce que tu aimes insulter? Je n'insulte personne. I'm speaking to an adult. An intellectual discussion. Je parle à un adulte. Eh, j'aimerais avoir une discussion intellectuelle. Speaking to an adult, so give me an answer of an adult. Je parle à un adulte, donne-moi une réponse des adultes. I asked you, is the stars created first? La question que je te posais, est-ce que les étoiles ont été créées en premier lieu? You said first. Tu as dit oui, c'était le premier. And then now, a second after. I said the stars are first, yes. Okay, so are you going to change? Oui, j'ai dit oui, les étoiles étaient en premier lieu. Change your mind or this is fixed answer? Tu vas changer ta pensée ou bien ça c'est ta réponse finale? A man answer. Donne-moi une réponse des hommes. Okay, well I need to see it. Don't think. Mais j'aime d'abord voir ça. Tell me the answer. Is it fixed or this is a game? Est-ce que ta réponse est fixée ou bien tu joues à un jeu? Tu joues à un jeu ou quoi? Donne-moi une réponse fixe. Are we speaking to a man? He says something, he believes in it, or a kid who says he changes his mind every 2 seconds?
Est-ce que nous parlons à un homme adulte ou bien à un enfant qui change son idée toutes les deux minutes? Is the stars created first? Either you say yes or no. Est-ce que les étoiles ont été créées en premier lieu avant les arbres, oui ou non? The stars yes, are... Okay. They are created first. Okay. Oui, les étoiles ont été créées en premier lieu avant les arbres. Okay. So the stars are created before the mountains, before the trees. Donc les étoiles ont été créées avant les étoiles, les étoiles ont été créées avant les arbres, avant les montagnes. Tu confirmes? For every all those things, correct? Yes. Okay. Oui, je confirme. Okay. Guys, yes. My friend here, he's helping us a lot to show you that Islam is a false cult. Notre ami ici est en train de nous montrer que l'islam est une religion qui est fausse. Il nous aide beaucoup. And here is the answer. Et voici la réponse. This is the Quran. Ça c'est le Coran. And this is how Allah. Et ça c'est comme ça que Allah describing how he created things step by step. Et comment est-ce que Allah est en train de décrire comment est-ce qu'il a créé les choses étape par étape? Chapter 41. And you, chapitre 41. You can read the translation you wish, which translation you like. Tu peux lire n'importe quelle translation que tu aimes, quelle traduction que tu cherches, qu'est-ce que tu aimes? Yusuf Ali. Yusuf Ali. Yusuf Ali. No problem, Yusuf Ali. You read Yusuf Ali. On va avec Yusuf Ali. If you don't, are you sure you will change your mind soon? Est-ce que tu es sûr ou bien tu vas changer ta pensée? Non, go ahead. Vas-y, avec Yusuf Ali. Okay, you speak Arabic anyway, so that will help us. Donc, tu parles arabe d'ailleurs, ça va nous aider. Let's go to Yusuf Ali. On va chez Yusuf Ali. All right. It says here, is that ye deny him who created the earth in 2 days? Sourate 41 au verset 9, il dit que, allez-vous dénier celui qui a créé les cieux en 2 jours? He created that, the earth in 2 days. Il a créé les cieux en 2 jours. He set on the earth mountains standing firm, high above it. Attendez, je vais afficher ce verset en français pour bien poursuivre avec Christian Prince. Nous avons le Coran avec nous en français. Juste une minute. Ok, nous y sommes. Sourate 41. Juste une minute. Sourate 41, à son verset, nous sommes là. Attendez juste une minute. Nous allons mettre ça en français. Ok, nous sommes sur Sourate 41, à son verset 9. Excusez-nous pour ce retard. Nous sommes sur Sourate 41, au verset 9. On va poursuivre. Il dit que régnerez-vous celui qui a créé la terre en 2 jours? On continue avec Christian Prince. And he bestowed blessing on earth and measured all things. You are in different verse. Tu lis un autre verset. Il faut lire ce que j'ai mis. Celui qui a fermement fixé les montagnes au-dessus d'elles, au verset 10, et a signé des ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Il faut que je puisse agrandir pour la bonne vision, bonne visibilité. Chapter 41, read your mission Arabic. Let me, in your Arabic, you know,
Ok, let's read together. It says here. On va lire ensemble, comme aussi longtemps que tu as mentionné ça en arabe. On y va. خلق الأرض في يومين وتجعلون لهدا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. Okay, so 2 days to create the earth, 4 days to create everything in the top of the earth. Until now, there was nothing in the sky. And then, look. Donc, il a fait 2 jours pour créer la terre, et puis il a c'est 4 jours pour créer ce qui était dans la terre, et jusqu'ici, il n'y a rien dans le ciel. Jusqu'ici, à ce verset ici. Translation, it says false, it says moreover. Et même votre translation en anglais, on dit moreover, cela veut dire en plus. C'est une fausse translation en anglais. Mention it? Does it have to mention the sky? Yes, because he's saying, he mentioned. Doit-il mentionner le ciel? Oui, oui. Mention the sky now. He mentioned, he says, thumma. Oui, puisqu'il a mentionné le ciel. Il a dit, et ensuite. Thumma, thumma, c'est après. Ils ont écrit, et ensuite, on va. Thumma in Arabic is something you say for something that not happened right away. It took a period of time. Lorsque tu dis thumma, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé, mais ça prend quelque temps et puis c'est arrivé. On dit thumma qu'on a interprété ici par ensuite. And then he went out to the sky and he designed the sky and the sky was a smoke. Il s'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée. C'était de la fumée. There was nothing, no stars. Jump verses, man. I want to see exactly what you're saying. I'm not jumping. Okay, I want you to. Il n'y a rien, mais tu sautes le verset. Non, je n'ai rien sauté. Hein? C'est écrit là. J'ai tout montré. I want you to read it. You can. Je montre. Tu peux même lire de toi-même. So to avoid jumping, I want you to read. Can you read for us? Pour éviter que je ne puisse sauter, toi tu peux lire toi-même. Yeah. Okay. You start reading, please. You read, and I will be listening to you what you say. Comme ça, toi, tu vas lire, et je vais suivre ta lecture. And to be sure, you know. He said to it into the earth, come, ye together, willingly or unwillingly. Il a commencé. Il va commencer là. On va retourner pour montrer aussi l'écriture. Pour montrer l'écriture, comme il a dit que Christian Prince était en train de sauter. Je ne vois pas ça. What are you talking about? Tu lis quel verset? I'm looking in your screen. Okay, well, you are reading from which verse? Stop. Tu lis quel verset dans mon écran? From where? My friend, you have something on the screen. Okay, read. Il y a quelque chose dans ton écran. From verse number 9, so we can start from the beginning. Tu peux commencer au verset 9. Comme ça, on commence dès le début. Verse number 9 on the screen. I'll put it for you on the screen. Verset 9. Number 9. Yeah. 9. Okay, do you scroll ahead? Let me. Do you verily have to disbelieve in him who created the earth in 2 days and you set up rivals? Renierez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donnerez-vous des égaux? With him, that is the Lord of Rabb al-Alamin. Tel est le Seigneur de l'univers. Okay. Verse number 10. Verset 10. He placed therein firm mountains from above it, and he blessed it and measured therein its sustenance in 4 days. Wonderful. Merveilleux. Celui qui a fermement fixé des montagnes au-dessus d'elle l'a béni et lui assigna des ressources, ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. For all those who ask. Okay. Telle est la réponse à ceux qui t'interrogent. Verse number 11. Verset 11.
Hein? Verse number 11 now. Hein? Verset 11. Then he stawa, rose over. Il s'est ensuite adressé au ciel. Dans d'autres versions, il s'est élevé vers le ciel. Towards the heaven. When it, vers le ciel. It, scroll down a little bit. When it, tu peux bouger. Monter un tout petit peu. It was smoke. Et ce qui était alors fumé. And said to it and to the earth, come both of you willingly or unwillingly. Okay. Et ainsi qu'à la terre, et a dit, venez tous deux, bon gré, mal gré. Okay. They said, we come willingly. Okay. Tous deux dire, nous venons obéissants. Verse number 12. Verset 12. Then he completed and finished from their creation. Go down. Il décréta d'en faire sept cieux et en deux jours. Descends un tout petit peu. Seven heavens in 2 days. D'en faire sept cieux en deux jours. Deux jours. And après, continue. Après, continue. Okay, well, and he made in each heaven its affair. Et révéla à chaque ciel sa fonction. And we adorned the nearest lowest heaven with lamps. Et nous avons décoré le ciel le plus proche des lampes. Entre parenthèses, étoiles. To be in adornment as well as to guard the devils by using them as missiles. Et l'avons protégé. Faire de ça, dans d'autres versions, on dit faire de ça une protection contre les diables pour que les étoiles puissent être des étoiles pour combattre les diables. Against the devils. Contre les diables. So what is the last thing Allah created? Donc, quelle est la dernière chose que Allah a créée ici? The stars. Les étoiles. Okay, what's your point? Mais qu'est-ce que tu veux dire? But my point, I asked you which one Allah created first. It should be for sure the stars. Why? Because you are a believer. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'Allah a créé en premier lieu? Je t'avais posé la question. Believer in the Big Bang. Puis toi, tu as commencé avec le Big Bang. But here you see that big, this is not, there's no Big Bang, first of all. Secondly, according to your God. D'abord, il n'y a pas le Big Bang. Et puis, en deuxième lieu, d'après ton Dieu. Allah, he created everything in the earth. He created all the trees, all the mountains. Allah a tout créé, tout ce qui était sur la terre. Les étoiles, et les arbres, les montagnes, d'après ce qu'il dit ici. All the rivers, everything, all the creatures. Et il a tout créé, les créatures, tout ça. The grass, the trees, and then at the end, he made the stars. Do you agree with this? Et à la fin, ce n'est qu'à la fin qu'il a fait les étoiles. Tu es d'accord? The Quran says it, I agree with it. Okay. Si le Coran dit ça, je suis d'accord avec ça. Guys, the Quran says it, you agree with it. So now we will. Donc, si le Coran dit ça, moi, je suis d'accord avec ça. Change your opinion. So it is not the mountains that created first, it was the stars, correct? Donc tu as changé ton opinion. Ce n'était pas les montagnes, donc c'était les étoiles, comme tu avais dit, ou quoi? No, the Quran says the stars is created last. Non, le Coran dit les étoiles ont été créées les dernières. Les dernières à être créées, c'était les étoiles d'après le Coran. Okay, so I'm saying it's not the mountains that created first. It was this. It's not this. Je m'excuse. This is my mistake. Sorry, it's not the mount. C'était mon erreur. Donc, ce n'était pas. The mountains that created first in this chapter, not the stars. Correct. Donc, tu as dit dans ce chapitre, c'était les montagnes qui étaient créées avant, et ce n'était pas les étoiles. The stars was last. Les étoiles étaient les dernières à être créées. The Quran says it.
Okay, thank you. But le Coran dit ça. Ok, merci. In different verse in the Quran, it says the opposite. Mais dans un autre verset, chapitre du Coran, on dit l'inverse. In different verse in the Quran, it says that. Dans d'autres versets du Coran, on dit ceci. Allah created the stars first. On dit que Allah avait créé d'abord les étoiles d'abord. And then he created the mountains. Okay, well. Et puis il a créé. Attends. What? Quoi? I have to research. What do you mean you have to research? Je dois faire des recherches. This is Quran. You speak Arabic. You are helping me very nicely, and I appreciate. Tu parles arabe et tu m'aides. J'aime beaucoup ça. It having you here because you speak Arabic, which is wonderful. Puisque tu parles arabe, c'est merveilleux. And I was ignorant after you call me. After you call me, now I am very well informed, and I. J'étais ignorant avant que tu ne puisses m'appeler. Dès que tu m'as appelé, j'ai beaucoup appris. You know better. So can we read together and see what the Quran is saying? Read carefully. Est-ce qu'on peut lire ensemble pour voir ce que le Coran dit? Fully. This is the Quran, chapter 79. This is the Quran. Ça, c'est le Coran au chapitre 79. I don't have an answer, really, to be honest. No problem. Je n'ai pas de réponse, pour être honnête. But this is the Quran, chapter 79, saying. Ça, c'est le chapitre 79 qui dit. You can read. Go ahead, read for us. Tu peux lire pour nous. Tu peux faire la lecture. Verse number 27. Go up, you passed it. Verset. No, I'm 27, there. You passed it. Verset 27. Tu as passé ça. Are you the harder to create? Are you the harder to create or the heaven? He made it. Mm-hmm. He raised high its height, then put it into a right good state. Mm-hmm. Êtes-vous pur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? Ça, c'est Sourate 79, verset 27. Il a bien élevé sa voûte, puis il a parfaitement ordonné. And he made dark its night and brought out its light. Hmm. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. Read loud, so people. Tu peux lire à haute voix. Who can see the wisdom of Allah? Pour que les gens puissent voir, entendre la sagesse de Allah. He raised high its height, then put it into a right good state. Hmm. On continue. And he made dark its night and brought out its light. Mm. And the earth, he expanded it after that. Et quant à la terre, après cela, il a étendu. Okay, hold on. And the earth expanded after that. Et attends, tu as dit que la terre, il a étendu après cela. C'est ce que tu as dit? Le verset 30. And then he brought from water and postage. Et il a fait sortir d'elle son nom et son pâturage. Where does it say stars? Okay, but you see, he made the stars here. Et là, il dit qu'il a fait les étoiles là-bas. It says here. Show me the word stars. Okay, guys. Montre-moi le mot étoile. Show me the word stars. You speak Arabic, don't you speak Arabic? Il me demande de lui montrer le mot étoile. Est-ce que tu parles arabe? It says, وَأَطَشَ لَيْلَهَا وَأَطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ دُحَاهَا. He made the night and he brought the light. Il dit qu'il a fait sortir la lumière et il a fait luire sa nuit. Il a assombri sa nuit et fait luire son jour. He was talking about the heaven. Il parlait du ciel. Is it you harder to create all the heaven? He raised it high above. Il a dit, êtes-vous plus dur à créer ou le ciel qu'il a pourtant construit? C'est très clair. Oh, je dois examiner ça. The other chapter, it says, you agree.
read that the last thing Allah He created was the stars. Dans l'autre chapitre, on a vu que c'était la dernière chose que Allah avait créée, c'était les étoiles. Here, Allah He finished the sky, He finished the stars. He made... Ici, Allah a commencé à créer le ciel, les étoiles, tout ça. And the day He made the night, and after. Et il a fait le ciel et la terre, et après cela. The earth he expanded. Et après cela, il a étendu la terre. Après cela. And after that, he put the water. And after that. Et après cela, il a mis son nom et son pâturage. But he put the mountains. The last thing here. In the... Et après cela, il a mis les montagnes. La dernière chose ici que nous voyons. The chapter 79 was the mountains. Dans chapitre 79, verset 32, c'était la montagne. In the other chapter 41, the last thing was the stars. Dans l'autre chapitre, chapitre 41, c'était les étoiles. In the other chapter there, the first in the beginning was the mountains. Dans l'autre chapitre, il dit c'était les montagnes qui étaient les premières. To go here, you will see that the first thing Allah He made it was after He created the earth, it's the mountain. Et ici, si nous partons là, tu vois que la première chose qu'Allah avait créée, c'était la montagne ici. Look, He created the earth in 2 days, and then He placed therein an earth from mountains. Il a fait ça. D'après ça. Are you suggesting that the Quran has a contradiction in it? Absolutely. So clear, like sun. Now, come on, my friend. Jihadi, you're a smart man. Donc, you see it? Donc, tu veux dire que le Coran a des contradictions, c'est ce que tu veux dire? Mais absolument, c'est une contradiction claire comme le jour. Tu ne vois pas ça, Jihad? It's a mountain. Look, He created the earth in 2 days, and then He placed therein an earth from mountains. So the first thing He created... Are you suggesting that the Quran has a contradiction in it? Tu veux dire que le Coran a des contradictions? Absolutely, so clear like sun. Now, come on, my friend. Absolument, c'est clair comme le soleil. Jihad, you are a smart man. Jihad, tu es intelligent. Don't you see it? Tu ne vois One pas is ça? Saying that the last thing was created the stars. Il dit que la première chose qui fut créée, c'était les étoiles. And one saying here it says the first thing after the earth created it was the mountains. Et ici on dit que la première chose c'était les montagnes. Topic, okay? Ok, je comprends mon ami. Bon, je vais accepter ça. J'ai accepté ce thème, la défaite, comme tu as dit. I'm gonna concede this topic. Je conçois ça. Because, j'accepte ça. Clearly, I don't have an answer, so... Clairement, je n'ai pas de réponse à te donner. But you agree with That's me. Fine. It's a clear contradiction. Donc, c'est bon. Bon tu es d'accord avec moi que c'est une contradiction claire. Clearly, I don't have an answer, so... J'ai pas de réponse. But you agree with That's me. Fine. It's a clear contradiction. C'est une contradiction. It's so obvious, so clear. I mean, you do not need to be genius. Tu n'as pas besoin d'être génie ici. See, you said to me a second ago, like a while ago, that I go too much in details. I mean, Allah is going in details. Toi, tu as dit que moi, je vais dans beaucoup de détails, tout ça. C'est ce que tu m'as dit. Que je m'intéresse à beaucoup de points de détails. It's his fault. Allah now he got in details, and because he got in details, he got himself busted. Mais ici c'est Allah qui va dans le détail, et plus il va dans le détail, plus il s'est fait dévoiler qu'il est menteur. This is going to be from God. The Quran says. Ça ne peut pas être de Dieu. Le Coran d'ailleurs dit. If this is a book not other than Allah, you will find a lot of contradiction in it, correct? Il dit que si ce livre ne vient pas de Dieu, de Allah, vous allez trouver beaucoup d'erreurs, des contradictions. The Quran says yeah. Okay. The Quran says c'est le Coran qui dit ça. Oui, le Coran dit ça. Find contradictions in it if it's not true. Okay, so Allah he made. Dans le Coran dit que vous n'allez pas trouver de contradictions dans ce livre. He said the rule how we can find if this is a book from God or not. C'est ce qu'il a dit, on va trouver que ça c'est un livre de Dieu ou pas, s'il n'y a pas de contradiction. Quran, give us the guidance, and we follow the guidance. Dans le Coran nous donne même la preuve que c'est un livre qui ne vient pas de Dieu. This is contradiction. Don't they consider the Quran? Had it been from other than Allah, they would surely found a lot of disparity, whatever.
au verset 82, il dit que si ne considère-t-il pas le Coran, si ça ne venait pas d'Allah, et vous allez trouver beaucoup de contradictions dans ce livre. And here we go. We found it so easy. So my friend is. Et nous trouvons si facilement des erreurs dans le Coran. Jihad, I invite you to leave Islam. Je t'appelle mon ami Jihad à quitter l'islam. Surat al-Baqarah, hein? Yeah, chapter. Ça c'est Surat al-Baqarah, chapitre 2, verset 82. No, this is chapter of An-Nisa, verse number. Non. Ça c'est chapitre 4, An-Nisa, verset 82. I invite you right now, Jihad. You are a smart person. Je t'invite, Jihad. Tu es un homme intelligent. And there is no way a fool like Muhammad can fool you. Et il n'y a rien que un fou comme Muhammad puisse te tromper. I mean, this is foolishness. How does this come from you, from God? Ça, c'est de la folie. Comment est-ce que ça peut être de venir de Dieu, ça? God don't remember which one he finished first. Un Dieu qui ne se souvient pas de ce qu'il a terminé le premier. One chapter he say the last thing he made is the stars, and the other chapter he say the first thing he made is the star. Dans l'un des chapitres, il dit que la dernière chose qu'il avait créée c'était les étoiles. Dans l'autre, il dit que la première chose qu'il avait créée c'était les étoiles. One chapter he say the first thing after creating the earth he created the mountains, and the other one says the last thing. Là où il dit dans un autre chapitre la première chose c'était les montagnes. Dans l'autre chapitre c'était les montagnes qu'il avait terminé en dernier. He has a hidden meaning. Yani, there is a verse where it says some of them are allegorical. Ah, peut-être qu'il y a un sens qui est caché. Il y a des versets qui sont allégoriques. Mon ami. Allah is talking to you and me, and He is explaining how He put things in order. Allah te parle à toi et à moi. Il explique comment est-ce qu'il a mis les choses en ordre. So why you want to change even the order which Allah He made? Pourquoi veux-tu changer même l'ordre que lui-même Allah a placé? I will tell you why. Because we are ashamed of it. If I'm a Muslim, I will say what I will say. Je vais te dire ça. Pourquoi? Oui, puisque nous avons honte de ça. Si moi j'étais musulman, j'allais aussi faire la même chose que ce que tu veux faire. I will come with an answer like yours. Oh, this is a metaphorical maybe. Je viendrai avec des réponses comme toi. Je dirais non, ça c'est métaphorique, c'est allégorique. It says mountains. Mountains are not metaphorical. Il a dit montagne. Montagne, ce n'est pas métaphorique. Earth is not metaphorical. La terre n'est pas métaphorique. Are physical objects. Ce sont des objets physiques. Stars are not metaphorical. Les étoiles ne sont pas métaphoriques. We never discussed these topics. But you are discussing what you mean. Mais on ne discute pas de ces thèmes. Me now, and you are a smart person. Mais tu en parles avec moi maintenant et tu es un homme intelligent. And you speak Arabic, you speak English, wonderful. I speak only one language, which is Indonesian. Et tu parles arabe, tu parles aussi anglais très bien. Moi, je ne parle qu'une langue qui est l'indonésien. So you are smarter than me. So donc tu es plus intelligent que moi. Now, yeah. Indonesian. Yeah. Attends, tu parles indonésien. No, I know to say like Indonesian word, like a Christian prince, you know. Ah, je sais comment parler un peu d'indonésien, comme Christian prince. An Indonesian person, he offered me 5 BMW and I want them all. Et il y avait un monsieur qui est de l'Indonésie qui m'avait offert 5 voitures BMW à musulman si je le débattais en islam et j'avais tout gagné. You know, but he. Okay, well, at the end of the day, you know, if there's a contradiction, then I have to, reevaluate. Alors, s'il y a une contradiction, alors je dois réévaluer. Some things, but. Je dois réévaluer quelque chose. I don't know what else to tell you, my friend. Je ne sais pas que te dire, mon frère. Jihad, you are a smart person and you just agreed there's a contradiction. Jihad, tu es un homme intelligent et tu as juste accepté qu'il y a une contradiction. So you can, and Quran says if this is not from Allah, you will find this. Et le Coran dit que si ça ne vient pas de Allah, tu vas trouver des erreurs comme ça. Et tu as trouvé ça. Found it. So this is not from Allah. Donc ça ne vient pas de Allah. This is a fraud book. Ça, c'est un livre de fraude.
In the beginning, you try to avoid the hadith because the hadith is embarrassing. Au début, tu as voulu fuir les hadiths puisque les hadiths c'est tellement honteux. And you said there's many stories in the hadith that doesn't make sense. I agree with you, all of them they don't make sense. Et tu as dit qu'il y a des histoires qui sont dans les hadiths qui n'ont pas de sens. Et je suis d'accord avec toi, les hadiths n'ont pas de sens. And this doesn't make sense too. The Quran doesn't make sense. Et même ça, ça n'a pas de sens. Le Coran n'a pas de sens. Il n'y a rien de normal dans le Coran. You are the one who forced me to go to the Quran. C'est toi qui m'as forcé d'aller dans le Coran. And you are the one who chose a topic. Et c'est toi qui as choisi le thème. And then when we check the topic you choose, we find it embarrassing. Et lorsque toi tu as trouvé le thème que tu as choisi, on a trouvé que c'était embarrassant. So why a smart person like this? Says now, therefore, kill every male among the little ones and kill every. No so problem. The thing is, the problem I have. Let me tell you something. Eh bien, comment est-ce que dans la Bible on dit que vous devez tuer tous les hommes, les mâles que vous trouvez, tout ça, les enfants? C'est ce que je trouve pas, qui ne va pas bien dans la Bible. When they want to curse Islam and say Islam is violent, this and that. Mais lorsqu'ils veulent maudire l'islam, que l'islam c'est violent, la violence, tout ceci et cela. Find the exact same things in the Old Testament. Vous trouvez le même verset qui se trouve dans l'Ancien Testament. As a matter of fact, sir, you find a very similar things in the Old Testament as the Quran. No. De vous trouver les mêmes choses exactement comme dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Coran. No, that's so, how can you throw stones when you live in a glass house? Okay, Jihad, let us see. Mais comment allez-vous jeter les cailloux si vous habitez dans une maison en verre? When you quote for me a verse from the Bible, those people, they were killing the Jews being in slaughter, they've been raped. Mais lorsque tu dis un verset de la Bible, tu me donnes ce verset-là, mais ces gens-là, ils combattaient les Juifs, ils tuaient les Juifs, ils les maltraitaient, ils faisaient tout, ils les attaquaient. They've been taken as a slave the whole nation. So, et ils avaient été déportés comme des esclaves toute la nation. So they are surviving between enemies. Et ils devraient survivre au milieu des ennemis. No, hold on. No. Go to the book of Tabari and you will find that. Mais c'est aussi la même histoire dans l'islam. Non, si tu pars dans le livre de Tabari. Go to the book of At-Tabari and you will find that the first one tried to start insulting, attacking others, it was the Muslims. It's not. Si tu vas dans le livre de Tabari, tu vas voir que les musulmans étaient les premiers à vouloir attaquer et à attaquer les autres. On ne les avait pas provoqués, on ne les avait pas attaqués. C'était l'opposé. If you quote something from a book, why you don't quote the whole story? You quote. Deuxièmement, si tu cites quelque chose dans un livre, pourquoi ne pas tout citer? Tu coupes le verset. History, you see here, we don't mind. I can show you any history of your prophet, and we can show any history of the Bible. But you. Ici, nous ne nous inquiétons pas. On ne nous sommes pas inquiets ici. On peut te montrer toute l'histoire de la Bible et toute l'histoire de ton prophète. First, then, with the second we show you the history of your prophet, you say, oh, this is not accepted. Mais dès qu'on vous montre l'histoire de votre prophète, vous allez dire, non, non, ça c'est un hadith qui est faible, on n'accepte pas ça. Those hadiths are lies. We don't say that. I'll tell you, many people accepted Islam throughout the years for the good manners of the Muslims. They will leave Islam. Okay. Et les gens qui acceptaient l'islam au cours de l'année. Let's see, the good manner of Muslims. Name for me one thing the manner of the Muslims can be proud about. Donne-moi une seule chose dont les musulmans sont fiers à propos de ce qu'ils croient. And what is the best Muslim, Muhammad, isn't it? Donne-moi le meilleur des musulmans, c'est Muhammad, n'est-ce pas? Yani what? Prophet Muhammad. Yani. Sallallahu alayhi wa sallam, he was honest. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est un homme honnête. And he never told a lie. Il n'a jamais dit un mensonge. Are you sure? Es-tu sûr? Okay. He brings the money back, yani. Il rapportait l'argent des gens. He's known for this. Okay. Il est connu pour ça, pour un homme honnête. Honest. Okay. C'est un homme honnête. You know how Muhammad he married Khadija? Sais-tu comment est-ce que Muhammad s'est marié à Khadija? Okay. My friend. Mon ami. Do you know how Muhammad he married Khadija, the honest man Muhammad? Sais-tu comment est-ce que Muhammad s'est marié à Khadija, celui que tu appelles l'homme honnête?
She was Muhammad's first wife. He married her, and she was she had money, and Khadija était la première femme de Muhammad. Il s'est marié à elle, elle avait beaucoup d'argent. You know, he used to do business transactions for her, and il faisait des accords, des affaires avec elle. Al-Sham. How he Al-Sham. Married her, you know? Tu sais comment est-ce qu'il s'est marié à elle? How he married her? Yeah. He went and, comment il s'est marié à elle? Il est parti. And made her a big prophet in Al-Sham. Hmm. Et là, Muhammad était parti, il a fait un bon business à Al-Sham. Un bon profit, un bénéfice. And he came back. Uh-huh. Il est retourné. And she was so happy how honest he is. Uh-huh. Il est retourné et elle était très contente de voir comment est-ce que Muhammad était un homme honnête. How much good business he did for her. Comment est-ce qu'il a fait un bon business, une bonne affaire pour elle. Okay. She proposed. Okay. Et elle a proposé à Muhammad de se marier. This is the story written by you Muslims, published by you Muslims, and saved by you Muslims about. Et je vais te montrer une histoire qui est écrite par les musulmans, publiée par les musulmans, et puis conservée par les musulmans. How Muhammad he did marry Khadija. Je te montre comment est-ce que Muhammad s'est marié à Khadija. Khadija and Muhammad they made a party and they made the father of Khadija drunk. Khadija et Muhammad ils ont organisé une fête. Et ils ont rendu le père de Khadija ivre. And when he got drunk, they took off his clothes and they made him a dress, the wedding clothes or party clothes. You know, all people like you and me, all of us, we have a dress. Et l'ont habillé différemment comme nous tous, lorsque nous partons dans les fêtes, nous nous habillons. A clothes we wear for occasions. Tu parles de quoi? Là où tu dis qu'ils l'ont enivré, ils l'ont rendu ivre. Le père de Khadija. This is the imam, this is Musnad Ahmad. Ça c'est le livre de Musnad Ahmad. Imam Ahmad, page number 3110. La page 3110. 112, which means 312. Value number. 312. And read it. No. L'alcool est haram. Not haram. This is before it was forbidden. Non, l'alcool n'était pas encore interdit à cette époque ici. It was forbidden when Muhammad gets sick. Muhammad. L'alcool fut interdit lorsque Muhammad est tombé malade. And the Muslims they used to be drunk 24 hours, 7 days a week. To the point that. Les Arabes, les musulmans, ils s'enivraient 7 fois par jour, 7 jours de la semaine. Go to the mosque and they are drunk. Ils partaient même dans des mosquées ivres. Okay, read the hadith for us and translate, please. Go ahead. Tu peux lire cet hadith et puis traduire pour nous. You speak Arabic. Tu parles arabe. I told you my friend like that. I speak Arabic, but my reading level is not high with okay. Arabic. Je t'ai dit que je parle arabe, mais le niveau de lire, je ne connais pas bien lire l'arabe. I will read Arabic. No. Okay, let us work together. I will read Arabic and you translate. Is that fine? Je vais lire l'arabe et toi tu vas traduire. C'est bon? Fine. I mean, I'm trying to tell you, like, my Arabic is like, my friend, you know. Je vais te dire que mon niveau d'arabe n'est pas bon. I will read the Arabic for you. You translate to English. That... Je vais lire en arabe. Toi, tu vas traduire ça en anglais. That's fine. C'est yeah, bon. Abu... No, you read Arabic. You go. I will read for you. Just... Ah, ok. Tu sais pas les mots. Je lis pour toi. Okay, I will read for you. You translate. Ibn Salama and forget about this. Ibn... Attends, oublie ça. Je vais lire. Abbas. So the one who reported Ibn Abbas is a... C'est Ibn Abbas qui parle, qui rapporte ça. Very trustworthy. Ça c'est un hadith de Ibn Abbas. I'm slow, my friend. I'm slow. I'm okay. Slow with it. No problem. Ah, je suis trop lent lorsqu'il s'agit de lire l'arabe. Okay. You have to. Okay. فصنع الطعام وشرابا فدعت أباها وزمر من قريش فطعم وشرب حتى ثملوا فقالت خديجة لأبوها إن محمد بن عبد الله يخطبني فزوجني إياه فزوجها إياه My friend, she made her father drunk. Elle a rendu son père ivre.
Okay, can you say that slowly? Tu peux le dire un peu lentement puisque tu es trop rapide. حتى ثملوا فصنعت شرابا طعاما وشرابا فدعت أباها وزمرا من قريش فطعموا وشربوا حتى ثملوا فقالت خديجة لأبيها محمد you want to marry me? Can you marry me? The guy is drunk now. Ils sont partis. Mohamed veut me marier. Est-ce peut-il me marier? Et le père de Khadija était ivre. They are drunk. So the first thing. Ils étaient ivres. Mohamed did in order to marry Khadija. It was a fraud. De la première chose que Mohamed avait fait pour se marier à Khadija, c'était la fraude. Huh? Thamilou, or the word I know for drunk is sakran. No, Thamilou is. Thamilou, le mot que je connais pour être ivre, c'est sakran. Is drunk. I can. Thamilou, ça veut dire ivre. Translate using Google, by the way. We always Google translation. Here we go. Je peux traduire ça en utilisant Google. Google Translate. La traduction de Google en anglais. Google translation. Read it to me. There's many words. Okay, read it. To me. Il y a beaucoup de livres, beaucoup de mots. On va voir. Translation. Here we go. Google translation. Read it. La translation de Google, le livre s'est écrit là, Musnad of Imam Ahmad. The many words. Okay, read it to me. Here we go. This is Google translation. Ça, c'est la translation de Google. Khadija, she did make a meal and food and drink. Khadija organisait de la nourriture, de l'alcool. And she invited, and then it says, and the Quraysh after that, you know, and they drank until they got drunk. Les Quraysh se sont enivrés jusqu'à ce qu'ils étaient beaucoup ivres. It says even in Google translation. Même Google Translate, il dit, les Quraysh drank until drunk. Ils ont beaucoup bu jusqu'à ce qu'ils étaient ivres. They said Khadija to the Quraysh and drank until drunk. On dit Khadija et tout ça, les Quraysh, ils se sont enivrés jusqu'à ce qu'ils étaient trop ivres. So this is the decent prophet. This is the decent prophet. The first. Ça c'est le prophète honnête, décent dont tu parles. The thing he did in his life, it was a fraud. Donc la première chose qu'il a fait dans sa vie, c'était la fraude. He made the guy drunk. He woke up in the morning. She told him, "I did marry me to her." She said. Donc il a rendu ce monsieur ivre et puis on a dit qu'il a marié sa fille. To her, why I'm worried? Look how evil she is. Regardez combien cette femme ici, Khadija, était méchante. My question, where did you get this story from? That's a question. Où est-ce que tu as tiré cette histoire? This is Musnad Ahmad. Here we go. This is your Islamic. Ça, c'est le livre de Musnad Ahmad. C'est le livre que vous utilisez. Islamic website, Islamic library. C'est dans le livre, la librairie des musulmans, les sites internet. And this is Musnad Ahmad. And this is page. Et ça, c'est Musnad Ahmad. Ça, c'est number 312. La page 312. And this is volume number one. Et ça, c'est le volume 1. Is this authentic? Est-ce authentique? Sure, it's authentic, but for you, it's not. C'est authentique, oui, c'est vrai, c'est authentique, mais peut-être pour toi, c'est pas authentique. Because it's embarrassing, as you would say, it's not authentic for me. Puisque c'est embarrassant, tu vas dire que c'est pas authentique pour toi. So, Mohammed the honest is a fraud. The first thing he did in his life, he fooled the man, they made him a drunk. Donc, Mohammed, le soi-disant honnête, il est fraudeur. La première chose qu'il a fait dans sa vie, c'était la fraude. Before he woke up, they go off his clothes. Look how evil they are. Et cet homme ici, la prêche qui donc il s'est réveillé le matin, il a vu qu'il avait changé des habits. They took off his clothes and they dressed him a nice suit, the one he wears. Ils ont changé ses habits, l'ont habillé autrement. When there's a wedding party, or lorsqu'il a porté des costumes, comme on se marie, on porte dans des mariages. Occasion. So when he wake up, look, it says here, and he put him in a suit, and when he woke. Comme il a souligné là, on a mis un costume sur ce monsieur-là. He said, why am I wearing those clothes? Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, pourquoi est-ce que je porte ces habits? She said, oh, you did marry me to Muhammad. Et la fille a dit, mais tu m'as marié hier à Muhammad. Muhammad the decent, Muhammad the good guy. Muhammad le décent, Muhammad l'homme qui était bon. The Quraysh drank until drunk. They said, Khadija,
Et se sont enivrés jusqu'à ce qu'ils étaient ivres. Il était en train de lire. Ils ont dit Khadija. To her father, Muhammad, if he unformed, and Masoud said, did you translate this? My friend, this is Google. Tu as traduit ça? Oui, ça c'est la translation de Google. The translation is not correct, but it says there that. La translation de Google sur Internet n'est pas tellement précise. When he drank, they took off his clothes. They dressed him the nice clothes he wore for party. On a dit que même dans l'arabe, si tu lis, alors ils ont changé les habits, tout ça. Lorsqu'il s'est réveillé le matin, il s'est retrouvé dans une autre posture avec une autre posture des habits, tout ça. Is or for occasion, and then when he woke up, she told him. He said, "Why I'm wearing this clothes?" Lorsqu'il s'est réveillé, elle a dit, pourquoi est-ce que je porte ces habits ici? She said, "You married me from Muhammad." Et elle a dit, mais tu m'as marié hier à Muhammad. Abdullah. Tu m'as marié à Muhammad bin Abdullah. He said, I will marry you to the orphan, not in my life." Et le monsieur a dit, je ne peux te marier à un orphelin jamais dans ma vie. The translation says, "Not my age." In Arabic, we say. Dans la translation, on a dit non à mon âge. Not in my life. Ça veut dire jamais dans ma vie. C'est ce que le père a dit. That will never happen. Ça ne peut jamais arriver. Yeah, I see. So here. Oui, je vois. So here, you know, here look what she said to him after that. Look at the blackmailing. Khadija, she said to him. Regarde maintenant comment est-ce qu'elle a commencé à rançonner son père. Hein? Aren't you ashamed? You want the tribe. Et puis elle a commencé à dire à son père. N'as-tu pas honte que of Quraysh? Do you want me to tell them? Ne crains-tu pas que les Quraysh, je vais leur dire que tu étais ivre et n'as-tu pas honte? That you were drunk and you were not aware of what you did. Et que tu ne connaissais pas ce que tu faisais, n'as-tu pas honte si je disais ça aux Quraysh? So she drank him in purpose. Donc elle a enivré son père expressément. And now she is blackmailing him. Say to him, if you go and say, I will. Et maintenant, il commence maintenant à forcer son père à la rançonner que si tu rejettes ça. Not marry you to this man. I will go to the tribe and I will say everybody. Si tu dis que je ne dois pas marier Muhammad, je vais aller te dénoncer à toutes les tribus. That you were drunk. Je vais leur dire que tu étais ivre. You are a filthy man. Que tu es un homme méchant. And you are not aware of what you are saying. Et que tu ne sais pas ce que tu fais. Blackmail her father. Elle a commencé à rançonner son père. This is Khadija, the decent woman, and this is Muhammad. Et ça c'est Khadija, la femme décente, et ça c'est Muhammad. Met her partner. Son mari. The first thing they did in their life. Son partenaire. La première chose qu'ils ont fait dans leur vie. Their partnership. Dans leur partenariat. The decent man. What? L'homme décent. What about Muhammad? Each other, but they knew ils se sont mariés l'un l'autre. The father wouldn't accept. Exactly. Donc, ils croyaient que le papa n'allait pas accepter ça. But they use alcohol. So this is for. Mais ils ont utilisé l'alcool. First, the cheating. Secondly, they are using alcohol, which is from the devil, isn't the Quran says? Et ils utilisent l'alcool qui vient du diable, n'est-ce pas que le Coran dit ça? Alcool from the devil. L'alcool vient du diable, comme dit le Coran. Yes. Okay. Oui. So the marriage of Muhammad is thanks to the alcohol happened. If not. Donc le mariage de Muhammad, c'est grâce à l'alcool que ça s'est passé. Khadija married to Muhammad. Muhammad will not be a prophet because he. Donc si Muhammad ne s'était pas marié à Khadija, il n'allait pas être prophète. He used his money in the beginning to. Puisqu'il a utilisé son argent dans le au début. Make himself a lord. Pour se faire un chef, un seigneur. What kind of a man? You said to me he's a decent man. Quel genre d'homme? Tu m'as dit que c'était un homme décent. He should not accept. He said no. Either he marry me to you. Il n'allait pas accepter normalement. Il pouvait dire soit ton père me marie à toi. He is awake or I will not accept. Et il est conscient ou bien je ne vais pas accepter ça. Comment est-ce que tu sais que cette histoire ici est vraie? So you Muslims are lying about your prophet. Donc cela veut dire que vous musulmans vous mentez concernant votre prophète. Saying things about your prophet, and we the Christians. Et nous les chrétiens.
are believing in the lies Muslims they say to us. This was nous croyons dans les mensonges que les musulmans nous disent. Ce que tu dis? But I just want to know what is the source. Je veux juste connaître la source de cette histoire, la référence. And my friend, how many times will you repeat? Musnad Ahmad. Combien de fois je vais te répéter ça? Je dis c'est Musnad Ahmad. It's in front of you, on the screen. Here we go. Even Google Translate it for you. C'est devant toi. Même Google Translate a mis ça pour toi. You see it? Est-ce Let que me zoom in. Est-ce que tu vois ça? Je vais zoomer ça. This is the name of the book. Ça, c'est le nom du livre. Yeah, go up. Okay. You have to scroll up. This is the Montre ça. Je vais voir ça. Name of the book. And this is the c'est le nom du livre. Page number. Ça, c'est la page. 312. 312, volume 1. Imam Ahmad. Uh-huh. Is Imam Ahmad is a Jew? Is he a... Est-ce que Imam Ahmad était un juif? Hindou? Est-il un hindou? Is he from the Christians? What? Est-il chrétien? He is. Qui, this is your story. What qui? About Muhammad flirting with the wife of his own son? Et combien parler de l'histoire de Muhammad qui a flirté avec la femme de son fils? Is that a decent man? What do you think, Jihad? With my respect. Et qu'est-ce que tu en penses? They say that, okay, so it's hadith, but is it sahih? Ça, c'est un hadith. Est-ce un hadith qui est sahih? My friend, here we go. We go back to zero now. Is it sahih? Nous rentrons encore au début, au point zéro. Anything we show to you is not sahih, for sure. Tout ce qu'on vous montre, ce n'est pas sahih, c'est sûr. It's not sahih, because it's embarrassing. No, it's sahih. Puisque c'est embarrassant, c'est oui, c'est sahih. But anyone here want to defend Muhammad, he will say it's not sahih. Mais tout celui qui veut défendre Muhammad, il dira que l'histoire n'est pas sahih. Okay, well, I mean, if that doesn't sound good, that story. Okay. Ah, cette histoire n'est pas bonne. What about Muhammad flirting with his own son wife when the husband was away? Mais qu'en est-il de Muhammad qui flirtait avec la femme de son fils lorsque le mari n'était pas là? Jihad, I am not trying to insult you, but I'm going. Jihad, je n'ai pas l'intention de t'insulter. To give an example, what do you think if you? Mais je vais te donner un exemple. Qu'est-ce que tu penses? Your father, with my respect, your family. Si ton père venait, avec tout le respect que je dois à ta famille. He come to your house and he flirt with your wife. What do you do to him? Si ton père venait dans ta maison, il flirtait avec ta femme. Adopted son. No problem. Adopted son. Adopted son. Okay, not your son, guys. Not your son. Mes frères et sœurs, ça c'est la première partie. La première partie, nous allons arrêter avec cette histoire. Ça c'est la première partie que nous avons faite. On va faire aussi une deuxième partie de la même histoire. On va continuer avec Christian Prince. Ça, c'était la première partie. On va continuer la deuxième partie. Puisque sinon, la vidéo va prendre même plus de 2 heures. On a déjà pris 1h38. On devrait couper à 1 heure. Je voulais faire des parties de 1 heure, 1 heure chacune des parties. Mais j'ai forcé et c'était impossible que je puisse faire ça. Puisqu'il ne fallait pas que je puisse couper. On allait dire que j'ai coupé l'histoire. Il fallait qu'il y ait donc un chevauchement. Puisqu'ici, il va parler d'une autre histoire. Alors, la deuxième partie va commencer à partir de l'histoire qui veut parler de Zainab bint Jahsh et de Zaïd. Tout celui qui veut débattre avec nous, le débat, notre numéro est là. Venez nous contacter pour organiser des débats. Puisque nous suivons les enseignements de Christian Prince, un homme qui connaît l'islam plus que n'importe qui sur la terre. Shalom à tout le monde. On va continuer avec la deuxième partie. Je vais lancer ça dans 3 heures, puisque je dois faire autre chose, prendre la vidéo et upload ça, télécharger ça sur YouTube pour distribuer à tout le monde. Et on va entrer dans le studio pour la partie qui reste. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous.